petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre des techniques pour convertir volume et capacité, rapidement. Voilà, volume et capacité. Les volumes, c'est ce qu'on appelle les mètres cubes, les centimètres cubes, les décimètres cubes. Vous savez, les volumes vont de 1000 en 1000. Pour passer de mètres cubes à décimètres cubes, c'est les 1000. Voilà. On multiplie par 1000 ou on divise par 1000 si on fait le contraire. Et les capacités sont les litres. Les litres, millilitres, centilitres, décilitres. Et ça, c'est par 10. C'est les tables de 10, 10, 10. Les volumes, table de 1000. Les capacités, table de 10. Alors, des techniques très simples. Ce que vous devez retenir, le plus important à retenir, vous retenez deux seulement, deux. Et maintenant, avec votre cerveau, vous trouvez le reste. Vous retenez deux. Pour passer du mètre cube au décimètre cube, on multiplie par 1000. C'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que 1 mètre cube, c'est égal à 1000 décimètres cubes, cette écriture-là. Donc, pour passer du mètre cube au décimètre cube, on multiplie par 1000. Et le contraire, on divise. Pour passer du décimètre cube au mètre cube, on divise par 1000. Ça, c'est à retenir, c'est tout. C'est ça. Et ça, c'est facile. 1 mètre cube, 1000 décimètres cubes. Maintenant, vous faites le reste. 1 km cube, ça fait combien de... Vous comptez, vous voyez le nombre de cases, ça donne des millions. Parfois, on fait fois le million, fois le milliard, etc. Et vous devez aussi retenir ça. Pour passer du mètre cube au litre, on multiplie par 1000. On multiplie par 1000. Et pour passer du litre au mètre cube, on divise par 1000. C'est tout. Voilà les deux que vous devez retenir. C'est tout. Dès que vous posez ça, le reste, vous allez déduire. Même si vous n'avez pas besoin de faire le tableau. Vous connaissez le tableau, n'est-ce pas? Faire les tableaux comme au primaire, là. Pas besoin de faire le tableau. Vous retenez juste. J'ai mis un exercice, je ne sais pas si on aura le temps de le faire pour que afin que la vidéo ne soit pas très longue. 1 mètre cube égale 1000 litres. Regardez maintenant. Ça veut dire quoi? 1000 litres, 1000 décimètres. Ça veut dire quoi? Regardez. Ça veut dire que les deux là sont égaux. C'est tout. N'est-ce pas? Regardez, ça c'est les... On appelle ça les transitions. Si A est égal à B, A est égal à C. Regardez, le même nombre. A, il est égal à... Il est encore égal à C. Ça veut dire quoi? Que B est égal à C. C'est tout. Ça veut dire que les deux là sont égaux. C'est tout. Je reprends. Moi, j'ai le même âge que... J'ai le même âge que Joe Biden. Un exemple, le président des États-Unis. J'ai le même âge que Joe Biden, le président des États-Unis. Moi encore... J'ai le même âge que Xi Jinping, le président chinois. Ça veut dire quoi? Joe Biden et le président chinois, ils ont le même âge, c'est tout. Ça veut dire que ça est égal à ça. Que 1000 litres égale 1000 décimètres cubes. Les 1000 pas, juste enlever les zéros. Ça veut dire quoi? Que 1 litre égale 1 décimètre cube. C'est ça ici. 1 décimètre cube égale 1 litre. Vous voyez?
J'ai juste retenu ça et j'ai juste retenu ça. Et vous voyez que je suis en train de trouver moi-même, eh ben les autres, avec mon cerveau. J'ai pas besoin de faire l'état. Alors, je continue. Oui, on a trouvé ça. Regardez, pour passer du litre au millilitre, on multiplie par 1000. Et pour passer du millilitre au litre, on divise par 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 litre égale 1000 millilitres. 1 litre égale 1000 millilitres. Pour passer du mètre cube au millilitre, on fait ça fois ça. 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Donc c'est pourquoi je dis on multiplie par 1 million. Vous voyez? Pour passer du mètre cube au millilitre. En fait, 1 mètre cube, c'est 1 million de millilitres. C'est ce que ça signifie. Ça. Et maintenant, si vous voulez passer du millilitre au mètre cube, on divise par 1 million. C'est bon. J'ai déjà fait ça, que j'ai écrit ici. Alors, regardez. Regardez. Je suis ici. 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. C'est-à-dire, pour passer du décimètre cube au centimètre cube, on multiplie par 1000. Et le contraire, on divise par 1000. Maintenant, si vous voulez passer du mètre cube au centimètre cube, ça fois ça, ça fait le million. Et si vous voulez, pour passer du centimètre cube au mètre cube, on divise par 1 million. Alors, on continue. Alors, donc, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez. Je l'ai remis ici, ça. Je l'ai remis ici. 1 décimètre cube au centimètre cube, ça c'est les cubes. On fait fois 1000. Le centimètre cube au décimètre cube, on divise par 1000. Or, ici, 1 décimètre cube, c'est égal à quoi? 1 litre. Vous voyez, c'est pourquoi je les mets ensemble. Ils sont égaux. Donc, en fait, pour passer du litre, regardez bien, du litre au centimètre cube, parce que les deux sont égaux. Donc, le litre au centimètre cube, je fais fois 1000. Et pour passer du centimètre cube au litre, je divise par 1000, parce que les deux sont égaux. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Le litre égale 1000 centimètres cubes. 1 litre égale 1000 centimètres cubes. Donc, vous voyez, j'ai trouvé tout à l'heure 1 litre, 1000 millilitres, 1 litre, 1000 centimètres cubes. Ça veut dire quoi? Que les deux là sont égaux. Ça veut dire que 1, je barre les zéros. J'enlève les zéros. Ça veut dire que 1 cm cube égale 1 millilitre. 1 millilitre. Vous voyez? Bon, je pense que je vais faire l'exercice dans une autre vidéo. Ouais, le plus important, c'est vous retenez ça. Vous retenez ça. Et après, le reste, vous le déduisez. Si vous pouvez retenir mètre cube, litre, millilitre, vous retenez peut-être les trois. Vous retenez les trois et maintenant vous faites des déductions vous-même. Vous pouvez aussi retenir peut-être ça. Voilà. Bon, mais si vous trouvez que c'est trois, le plus important c'est ça. À retenir, ça, à retenir. Et le reste, ce sont des déductions. Maintenant, c'est à vous de jongler dans votre cerveau pour faire toutes les conversions. Voilà quelques techniques. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.